Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce nouvel épisode de la Métalgique, cette guitare de style métal qui a été dessinée par l'intelligence artificielle Midjourney. On s'y met tout de suite. On va commencer par coller les quatre principales couches du corps. Et pour ça, et pour être sûr que ça soit bien aligné, ben on va utiliser la technique des tourillons. C'est-à-dire qu'on va mettre quatre tourillons à des endroits stratégiques. Et puis ben après, on va tout serrer, on entamera les trous avec une mèche à bois trois pointes. Et ensuite, on utilisera une mèche à bois conique de manière à y aller tout doucement. Celle-là, j'ai mis à 27 mm, puisque là on a une totale de 32 mm. On veut laisser 5 au fond, donc 32 moins 5 égale 27. Donc première chose, on positionne, ça c'est le fond. Ensuite, on a cette partie-là qui va être collée sur celle-ci. Et là, on a le dessus. Voilà en gros notre... notre structure. Et on vérifie. Et on est bien à 32. Ce qu'on va faire, c'est on va étaler de la taille de bande au rouleau sur le fond, étaler de la taille de bande sur celle-là, la mettre comme ça, étaler de la taille de bande sur celle-là, la mettre comme ça, et finir avec la dernière couche.
C'est un secret bien gardé et ben, je suis fier de vous l'apprendre sur cette chaîne. Mais le coton-tige n'a jamais été inventé pour nettoyer les oreilles. Il a été inventé pour les gens qui collent des bouts de bois pour pouvoir nettoyer la colle. Et après, bon, les gens se sont dit, tiens, c'est rigolo si on se mettait ça dans l'oreille, mais c'était pas l'objet primitif.
On met de la musique parce qu'on a devant nous un long travail de nettoyage de toutes les cavités intérieures. Il faut poncer toutes ces surfaces, ici, là, etc. Et puis on a un deuxième souci, c'est qu'il va falloir reprendre avec différents outils divers et variés, y compris des burins, les coins aigus. Parce que, évidemment, du fait que la fraise à chanfreiner est ronde, ben, elle a fait un petit rond disgracieux, en fait, dans chaque angle aigu. Dans les angles obtus, il n'y a pas de problème. Par contre, dans les angles aigus, comme ici en particulier, là ou là, il y a un petit rond là, qui est pas très beau. Et donc, on va reprendre ça tout doucement avec une série d'outils et on va poncer. Et pour poncer, il y a un outil qui a été inventé spécialement pour ça, qui sont des petites limes, en fait, qu'on trouve dans le commerce. Vous la prenez bien sûr comme d'habitude sur cette chaîne, mais depuis cette invention qui a été faite pour poncer des petites cavités intérieures de guitare électrique, il y a des gens qui se sont dit tiens, si on utilisait ces trucs là pour limer les ongles, et c'est devenu le nom, et maintenant même lime à ongles, alors que c'était pas prévu pour ça au départ. On n'hésitera pas non plus à utiliser la Dremel avec des cylindres à poncer pour faire les grandes surfaces comme celle-ci, sachant qu'il faudra toujours faire les coins à la main, mais le gros du boulot sera fait à la Dremel. Toutes les cavités intérieures ont été
poncés, les angles reformés pour qu'on ait des beaux angles aigus, raclés, poncés, etc. etc. Il me reste les parois intérieures que je veux faire à la Dremel. Mais la Dremel n'est pas l'outil idéal, c'est trop lourd, il faut vraiment mieux contrôler. Et je sais que dans l'atelier, j'ai quelque part un pistolet pneumatique. Vous savez, un petit truc qu'on branche sur un compresseur et qui est l'équivalent d'une Dremel, sauf que ça a la forme d'un stylo. Et donc, c'est hyper maniable et hyper facile. Et on met le truc droit et hop, on passe et on nettoie les parois intérieures. Donc, cet après-midi, je cherche. Voilà. J'ouvre des boîtes. J'ai plus aucune idée d'où je l'ai foutu, mais je sais que j'en ai un. En attendant, et ce sera un petit peu, on fera ça, je ferai ça tranquillement hors caméra. Il nous reste à poncer le tour de ce corps de guitare. C'est parti. Vous voyez là, malgré les tourillons, c'est pas parfait au niveau des collages intérieurs. Et donc, il faut poncer l'intérieur de ces quelques cavités. Comme d'habitude, le grain 120, c'est l'équivalent de tous les autres grains derrière, hein, parce que c'est lui qui élimine les défauts. Les autres grains, ils sont juste là pour enlever les rayures du grain précédent, donc quel que soit le nombre auquel on monte, ça se fait très rapidement, puisqu'en fait c'est juste un passage pour éliminer les rayures du grain précédent. Par contre, le 120, tout ce qui est petite imperfection, petit choc, tout doit être nickel avant de monter au grain suivant. Voilà, il y a de la sure partout. Il nous restera juste les parois intérieures, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faudra que je trouve le stylo pour bien affiner ça. Et puis on finira par faire un ponçage léger sur le dessus du corps. Deux petites remarques tout de suite. C'est premièrement, c'est une guitare qui demande obligatoirement le permis port d'armes. Parce que pendant le ponçage, j'ai failli m'embrocher plusieurs fois. Et l'autre aspect un peu moins séduisant, mais c'est une guitare concept aussi, hein, c'est que je l'ai fait tomber. Et donc ici, j'ai été obligé de faire une réparation qui se voit quand même un petit peu, mais on verra la finition, comment ça se passe. Mais vous voyez qu'ici, là, celui-là, il a été réparé parce que la deuxième pointe qui est collée normalement jusqu'au bout, hein, comme sur les autres, elle s'est cassée quand je l'ai fait tomber.
j'ai encore invoqué plusieurs fois le nom du créateur. Sur le corps, les parois intérieures, un petit ponçage léger puisqu'elle avait déjà été poncée, la jack qui viendra ici en fait, et puis le corps sera prêt pour la finition. Voilà, j'espère que cet épisode vous a intéressé, on a quand même pas mal progressé, on a des idées pour la suite, on se retrouve la prochaine fois, et d'ici là, si vous avez envie de voir des jolis bois, voire d'en acheter, des tables et des touches, il y a le lien sur la boutique. De la même manière, comme d'habitude, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Allez, à la prochaine fois.